Bonjour à tous et bienvenue sur la valise de Béroy. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous amène à Himeji. C'est parti! Himeji se trouve dans la région du Kansai, dans la préfecture de Hyogo, à environ une heure de train d'Osaka. Himeji est principalement connu pour son château, surnommé le château du Héron Blanc, et c'est également le château le plus visité du Japon. Tout simplement car c'est l'un des plus anciens bâtiments en bois du Japon médiéval. C'est donc sans surprise que je vous amène visiter cet endroit dans ma vidéo, mais pas que. Je vous laisse alors regarder ces quelques images et je vous retrouve ensuite pour vous en dire un peu plus. J'ai beaucoup aimé Himeji, c'est une petite ville très agréable, on ne va pas se le cacher, le château ça reste l'incontournable à visiter quand vous allez dans cette ville. Mais pas que, vous pouvez vous promener dans les petites rues, il y a des statues un peu partout, c'est vraiment super à faire. Aussi vous avez pu voir, j'ai visité le Kokoen Garden, et alors ça c'est vraiment bizarre parce que autant il y a énormément de monde et une masse touristique folle qui va au château, mais les trois quarts ne vont pas en suivant au jardin. Alors en fait, le Kokoen Garden, c'est une succession de 13 jardins. C'est vraiment sublime, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve ça vraiment dommage de louper ça si vous allez à Himeji. Enfin, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer ici. J'ai parlé du Mont Shosha, qui est un endroit qui se trouve à environ 30-40 minutes de bus de la ville d'Himeji.
Donc vraiment, c'est un endroit que je conseille fortement, c'était magnifique. Et donc si vous restez 2 jours sur Imagery, ça peut être vraiment bien de combiner aussi ces visites. Maintenant pour les questions pratiques, j'ai pris un train depuis la Osaka Station jusqu'à Imagery Station et cela m'a coûté 2 980 yens aller-retour. Si vous avez le JR Pass, vous avez une ligne JR qui va directement de Osaka à Imagery. Donc c'est compris dans votre pass. Et ensuite, j'ai pris un ticket qui combinait la visite du château et du jardin. Du coup, ça coûtait un peu moins cher que prendre les deux tickets séparément. Et ça m'a coûté 1040 yens. Voilà, cette journée de visite m'a donc coûté 4020 yens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à mes pages Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr à ma chaîne La Valise de Béroy. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous câlins, matane.